But oh well, I think that dating is easy for men. All you really gotta do is have some money to pay for the date. Most of the time, women just want you to pay for stuff. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars vous allez bien. Peu à la dernière fois, n'est-ce pas, t'abonner, tu connais. Mais un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il va falloir faire un peu d'argent, hein. Je sais que c'est le mot tabou en France, hein. Donc il y a une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Je te montre exactement, en gros, comment faire de l'argent en ligne, en fait, tout simplement, hein. Comment j'ai fait. Je te montre étape par étape le marketing. Comment j'ai fait, je te montre tout, ok, c'est gratuit, c'est offert, donc fais-toi plaisir. Et deuxième chose, ma formation Pirate Marketing, ça c'est si jamais tu me connais déjà, où je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5K par mois, plus tous les bonus complémentaires que j'ai rajoutés dedans, e-commerce, investir dans les cryptos, enfin personal branding, investir dans l'immobilier aussi, enfin t'as tout ce qu'il faut. Et en plus maintenant les gars, vous êtes chanceux, on peut accéder maintenant via le CPF Pirate Marketing. Et donc en plus via le CPF, si tu prends via le CPF Pirate Marketing, t'as accès à l'incubateur qui donne accès du bootcamp, du coaching, tout ça. Pff, gars, c'est la totale. Si tu veux pas passer par moi, c'est pas grave. Si tu peux te lancer dans le business, mais là, je pense quand même que là, t'es régalé quand même. Donc, si tu veux savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu auras un appel offert aussi. Tu peux avoir un appel offert avec un membre de mon équipe. C'est gratuit l'appel. Donc voilà, pose toutes tes questions et sache que quand tu passeras à l'action, ça prend 2 à 5 ans pour devoir devenir libre. Il y a pas de magie, il y a pas de devenir riche du jour au lendemain, ça n'existe pas. Hein, j'ai grandi à Évry dans 91. Arrête de chialer, arrête de trouver des excuses. On a grandi dans le quartier des pyramides, on se plaint pas. Hein, on est passé à l'action, on a fait ce qu'il faut. Oh, c'est pas la bonne couleur, j'ai pas été élevé dans le bon milieu social. Chialer, ça n'a jamais rapporté d'argent. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc je reviens avec le même concept que j'avais fait où j'avais dit 10 idées que tout homme au-dessus de 30 ans devait savoir d'une manière générale dans la vie. Et là, du coup, comme vous avez bien apprécié cette vidéo-là, je me suis dit, bah tiens, je vais faire la même chose, spécialement sur les relations hommes-femmes. Donc on va avoir 5 vérités violentes que tout homme au-dessus de 30 ans doit savoir. Et si jamais t'es en dessous, ça marche aussi. Mais pour mes gars qui sont au-dessus de 30 ans, les gars, là, va falloir accepter. Parce que évidemment, je vais parler de choses qui ne sont pas politiquement correctes, puisque c'est la vérité. Tu sais qu'aujourd'hui, dire une vérité, c'est pas bon. Parce que la vérité fait mal, malheureusement. Parce qu'on est tellement dans un monde de mensonges qu'aujourd'hui, quand tu dis une vérité, eh ben, ça heurte le feeling des gens. Et donc, du coup, les gens ne se sentent pas bien. Et comme ils ne se sentent pas bien, eh ben, on a décidé, enfin, en tout cas, je ne sais pas, la société, voilà. Je ne sais pas c'est qui la société, mais la société a décidé qu'il était mieux, il était plus politiquement correct de ne pas dire la vérité puisque ça heurte les gens. Donc, on met en avant d'abord le feeling des gens que la vérité. Alors, c'est cool sur le moment présent, c'est sûr, les gens se sentent bien. Ils disent « Ah, si, je me sens bien ». Mais au final, le résultat de leur vie, c'est zéro. Voilà. Donc après, moi, je préfère qu'on me dise la vérité. Mais bon, apparemment, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, première vérité qui est tirée de Richie Cooper, celui qui a écrit le livre « Unplug Alpha ». Hein, je ne crois pas qu'il est en français, malheureusement. Mais si tu comprends l'anglais, ben, je t'encourage à le lire. Et là, sa fameuse phrase qui dit souvent, qui a été beaucoup repris, « Women don't care about your struggle. They just wait at the final line and pick up the winner. » Ce qui veut dire… les meufs, elles sont battent les reins de tes galères pour pouvoir devenir un homme alpha, tout ce que tu veux, un homme de réussite, un homme de high value man, un gars des 10%, des 10%. Elles s'en battent les reins. Elle attend juste à la ligne d'arrivée et elle choisit le vainqueur. C'est tout. Elle choisit le winner. Le loser, elle s'en bat les reins et elle s'en bat les reins comment tu as galéré pour pouvoir passer la ligne d'arrivée et arriver le premier. Elle arrive fraîche, elle prend. Chacun ses avantages, chacun ses inconvénients de chaque genre. Chaque genre a son avantage et ses inconvénients. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas comment la vie elle fonctionne qu'on essaie de changer, de dire non, mais en fait non, c'est pas vrai, ça doit pas être comme ça. Nous, on ne fait pas ça, les gars. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que n'attends pas d'empathie d'une femme. La femme va être sympathique, ça veut dire, elle va être gentille. Oh, t'es gentil, oh là là, je t'aime bien, tout ça. Mais elle n'aura pas d'empathie. Hein, c'est pour ça, d'une manière générale, évidemment. Bah, de toute façon, c'est simple. Une femme, dès qu'elle elle t'aime plus ou elle a plus... à partir du moment où elle t'aime plus ou quoi que ce soit, elle est plus là. Elle disparaît. Alors qu'un homme, il va plus être là en mode, vu qu'il a un instinct protecteur, il va vouloir rester quand même, tu vois, il va essayer d'arranger les choses, etc. C'est différent, ok? Parce que voilà, la femme, elle est en mode survie et l'homme, il est plus en mode protecteur, tu vois. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo à te montrer par rapport à ça.
Je te laisse regarder. A lot of men complain about how dating is easier for women versus men. And I was like, so? Well, just saying that, you know, we don't have to do anything. We just get to show up and be courted. And I was like, spell courted, first of all. And when was the last time you courted somebody? Like, please show me the tab from the last time you went and took somebody out somewhere. Because I guarantee you did not do much but show up. Right. And I don't want to start any arguments, but oh well. I think that dating is easy for men. All you really gotta do is have some money to pay for the date. Most of the time, women just want you to pay for stuff. Women have to get pretty, put on some clothes, make sure your hair is did. And that's just the physical layer. Mm-hmm. Y'all be out here wasting our time. You don't have no conversation. You don't know what to do for a date. You insecure. They gonna be mad. They gonna be mad again. I was trying not to do it. Donc, tu vois, comme tu peux le constater, au-delà du fait qu'elle ait aucune empathie pour les hommes, à la limite, il n'y a pas de problème pour ça, tu vois comment elle parle avec assurance et comment dans sa tête, elle est sûre que de ce qu'elle dit. Pour te dire, l'autre meuf, elle a dit, comment ça, genre, ah bon, c'est plus facile pour nous, les filles? Ça veut dire qu'elles ne se sont jamais mises en position à la place d'un homme, ce qu'on appelle l'empathie. Donc, l'autre, juste, bah, tiens, en même temps, au passage, je vais commenter un petit peu, faire une petite réaction à ce qu'elle dit et sur ses arguments. Elle est juste, elle se contredit ou elle comprend pas comment fonctionne le monde ou comment fonctionnent les finances ou comment on fait pour faire de l'argent. Elle dit tout ce qu'un homme a besoin, c'est de faire de l'argent et de payer des choses. Mais tu le sors où l'argent? Et comment tu fais pour gagner de l'argent? J'ai dit tout à l'heure, ça prenait 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. Je t'ai pas dit être millionnaire, hein. 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. C'est tous les business, c'est comme ça. Et de 5 à 10 ans pour pouvoir devenir millionnaire. Et ça, c'est pas des chiffres que je sors de mon chapeau, c'est des chiffres réels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle a même pas conscience, elle pense que l'argent va se manifester. Je sais pas, parce que tu sais, les meufs, surtout aux États-Unis, elles aiment bien utiliser ce mot-là. L'argent va se manifester. Oui, suffit. Loi d'attraction, hop, l'argent va tomber. Voilà. Parce qu'elles ont jamais tenté de lancer un business, à part du OnlyFans. Et donc, du coup, elles comprennent pas du tout comment fonctionne l'argent. Donc, même si j'allais dans son argument qui est faux, que les gars, ils ont juste à avoir de l'argent pour être capable de payer les choses pour les dates, eh ben ce serait faux. Ou en tout cas, son argument ne serait pas recevable. Tout en sachant que son argument est complètement faux et elle se contredit en ajoutant ce qu'elle dit derrière. Parce qu'elle dit, vous n'avez même pas de conversation, vous êtes insécure, vous êtes ceci, je veux être cela, vous êtes cela, etc. Donc ça prouve bien que l'argent ne suffit pas. Puisque derrière, il faut que le gars soit confiant, donc il faut travailler sur sa confiance en soi, il faut qu'il travaille sur sa conversation, il faut qu'il travaille sur connaître la nature féminine. D'ailleurs, le secret de la nature féminine, les gars, c'est en description. Il faut que tu ailles jeter un coup d'œil, hein. J'ai tout résumé dedans. Et aujourd'hui, il faut connaître la nature féminine, c'est Zeus. En description, il faut aussi qu'il ait six pack. Donc tout ça, d'ailleurs six pack aussi les gars, j'ai fait un petit programme. De toute façon les gars, c'est super accessible, donc panique pas. Six pack ou rien, en description aussi. Donc tout ça pour dire que elle dit qu'au départ oui le gars il a juste besoin d'argent et puis finalement elle dit ouais t'as pas de conversation, t'as pas de ceci et pelle ceci. Donc en fait tu veux un gars intelligent, qui soit confiant, qui ait sûrement du statut évidemment, qui ait les six pack et tu oses dire que c'est plus facile pour un homme. Comment tu... Parce que toi, tu dois faire tes cheveux, tu dois faire tes ongles. Est-ce que c'est une blague ou pas? Est-ce que c'est une blague? Et même si je prends cet argument-là, ouais, nous, on doit faire nos ongles, on doit faire ces cheveux-là, ce qui n'est pas recevable, hein, qui n'est même pas comparable à les années que ça prend pour pouvoir... Si chérie, tu penses que ça te prend du temps de faire tes ongles, parce que ça te prend une heure, je ne sais pas, une heure et demie, deux heures, allez, pour te préparer. Nous, ça prend deux à cinq ans pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir être libre, okay, pour être indépendant financièrement. Je ne te parle même pas parce que ce genre de meuf, elle cherche les 1%, d'une manière générale. De toute façon, elle cherche tous les gars des 10% et 1%. Okay. Donc, elle veut peut-être des millionnaires. Un millionnaire, ça se fait à partir de 5 ans. Je ne te parle pas des épiphénomènes. Je te parle d'une manière générale, après 5 ans, commencer à parler ouais, de millions. Donc, j'ai l'impression que plus de 5 ans de sa life et 2 heures pour se préparer, c'est pas pareil. Et même si j'allais dans cet argument-là, hein, je te rappelle aujourd'hui, chérie, même si tu ne comprends pas le français, mais je te parle quand même directement, je te rappelle aujourd'hui que même les femmes obèses ont l'attention des hommes. Donc aujourd'hui, je confirme ce que tu as entendu, c'est réel. Le dating pour les femmes, c'est beaucoup plus facile que les hommes. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas assez. Chacun a ses avantages en étant homme. Quand tu es des hommes, tu as des avantages et des inconvénients. Quand tu es une femme, tu as des avantages et des inconvénients. Un des avantages pour les femmes, c'est que dans le dating, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile pour vous. C'est juste que si on compare par rapport aux hommes, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est même pas comparable. Vous avez l'attention des hommes juste en naissant. Okay, la valeur de la femme, tu l'as à la naissance parce que tu es jolie, tu es bien foutue. Eh ben, les gars, ils vont venir. Voilà. Un homme, ce n'est pas comme ça. Il naît, il doit avoir du statut, il doit créer, faire de l'argent, il doit accomplir quelque chose, il doit créer sa valeur sur le marché du dating. Petite parenthèse terminée, pour ça pour te dire
que women don't care about the struggle, they just wait at the final line and pick up the winner. Deuxième vérité, c'est que le désir ne peut pas se négocier, ok? Ça se négocie pas. Parce que nous, comme on a les hommes, souvent on fonctionne de manière logique, on se dit ok, ah, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Le gars il dit, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, normalement ce soir, dans l'intimité, je devrais pouvoir avoir accès. Donc déjà, de base, ça veut dire que naturellement, elle vient pas vers toi. Voilà, et genre si tu fais la vaisselle, etc., genre tu penses que là, elle va avoir du désir pour toi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu fais les tâches ménagères, ou parce que tu es gentil, ou parce que tu as passé du temps avec les enfants, que la femme, genre, elle va avoir plus de désir pour toi. Le désir, ça se négocie pas. C'est où elle est, elle te désire, ou elle a envie de toi, parce que c'est tout, ça s'explique pas par ton charisme, par ton statut, par qui tu représentes pour elle, de la manière dont elle te perçoit. Mais ce ne sera pas parce que tu as fait la vaisselle qu'elle va être, se dire, ouh, il a fait la vaisselle, ouh, je suis super excité là. Ah oui! Non, ça ne marche pas comme ça. Troisième vérité, en plus c'est un concept encore de Richie Cooper, encore. Et d'ailleurs, pour donner le crédit à la vérité précédente, c'est, comment il s'appelle ? C'est le gars de Rational Mail, qui a écrit le livre de Rational Mail. C'est lui qui a écrit ça, c'est lui qui avait dit « Desire cannot be negotiated ». Donc c'est la même chose. Bref, pour revenir à la troisième vérité, choisis toujours les femmes qui ont un burning desire pour toi, ça veut dire qui ont une envie ardente pour toi. Donc ça rejoint un petit peu le point précédent, mais c'est plus c'est plus au-delà de qu'elle ait vraiment envie de toi. Ça rejoint aussi. Mais en gros, ça veut dire qu'elle a envie de toi, dans son comportement, elle agit, elle te montre qu'elle est intéressée par toi, elle est réellement intéressée par toi. Tu vas dire, tu lui envoies un texto, elle te répond direct. Tu lui dis à la dernière minute, on se voit ce soir, elle te dit oui, j'arrive. Tu vois, enfin, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'obstacle. Et si jamais elle n'a pas un désir ardent pour toi, ça ne sert à rien de même t'imaginer, une relation long terme avec elle, même court terme. Tu vas plus te fatiguer, tu vas toujours en train de lui courir après parce que pour elle, si jamais en fait elle n'a pas un désir ardent pour toi, c'est qu'elle considère que c'est toi qui as la chance d'être avec elle. Donc à partir du moment que pour elle, c'est toi qui as de la chance d'être avec elle, elle ne fera aucun effort nulle part. Déjà, d'une part, vu que c'est toi qui as de la chance, elle n'est pas excitée par toi. Donc c'est pour ça que la plupart des couples, apparemment, j'ai toujours du mal à le croire, mais les stats parlent par eux-mêmes, que la plupart des couples n'ont pas de relations intimes. C'est très rare parce qu'en fait c'est son second choix, donc elle est pas vraiment intéressée par toi en fait. Elle t'a pris parce que tu as juste ce qu'il faut, voilà. Parce que les gars en fait ils confondent. C'est pas parce qu'une meuf te montre de l'intérêt ou te donne un peu d'attention que ça veut dire qu'elle est réellement intéressée. Si jamais tu vois qu'elle t'écrit de temps en temps, donc tu penses que voilà, tu te dis bon ben allez, si jamais on continue, si on parle, c'est qu'elle est intéressée. C'est ça qu'un gars se dit. Tu vois, t'essaies d'être rationnel. Non, ça veut rien dire du tout. Elle peut être là parce qu'elle s'ennuie, elle peut être là pour s'amuser un petit peu, voilà, pour sortir un petit peu, voilà, au cinéma, machin, et puis voilà. Mais tu sens que tu galères, tu sens que ça ne fonctionne pas, enfin, tu sens qu'elle n'est pas prête de vouloir aller dans l'intimité avec toi, elle n'a pas du tout envie. Et toi, tu te dis, ah, mais après, évidemment, elle va dire des trucs, oui, non, mais j'ai besoin de temps, etc. Blablabla, tu vois. Ça me rappelle une histoire qu'une amie m'a racontée, qu'elle a daté un gars pendant 2 mois, par exemple, 2 ou 3 mois, je sais plus, et que genre, elle a rien fait avec lui, tu vois. Et j'ai dit, mais de toute façon, c'est simple, c'est parce que tu l'aimais pas. Elle dit, non, franchement, c'était un gars super, tout ça. Et j'ai dit, non, c'est tout, tu l'aimais pas, en fait, c'est tout. Et après, elle a acquiescé, en fait. Tu vois, elle a tout simplement acquiescé. Elle a dit, ouais, j'avoue, sûrement, ouais, c'est sûr. Parce que quand tu tombes sur le bon gars, ça prend pas, tu vois. À moins que tu sois une femme religieuse, hein, ce qui est très plus que rare aujourd'hui, la question se pose même pas. Si elle a vraiment un burning desire, ça prend pas 3 mois. Mais elle s'était convaincue, non, je suis intéressée par lui, etc. Mais voilà, et lui, elle devait lui dire, non, mais moi, il faut que je prenne mon temps, etc. etc. Voilà. Quand elle tombe sur le bon gars, ça n'a rien à voir. Comprendra qui pourra. Autre vérité, 9 fois sur 10, tu consacres tes ressources, donc temps, finances, pour une femme qui n'est pas intéressée par toi. Donc ça complète un petit peu la vérité précédente. C'est qu'en gros, il faut être honnête avec soi-même. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que cette femme-là est réellement intéressée par moi ? Si elle n'est pas intéressée par moi,
pourquoi tu veux aller au cinéma avec elle, pourquoi tu veux aller au restaurant avec elle. Si jamais tu lui envoies des messages, elle t'envoie, elle te répond un jour après, ou je ne sais pas, 6 heures après, et finalement elle accepte un date dans 4 semaines après. Pourquoi tu vas aller dépenser ton temps et ton argent pour cette femme-là? Il faut juste être honnête avec toi. C'est pas parce que genre, et ça c'est l'erreur, je le répète encore, mais c'est l'erreur que les gars font, c'est qu'ils pensent que parce que des fois, de temps en temps, elle donne son attention, tu te dis, ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Parce que biologiquement, avec tout le taux de testostérone que l'on a, tu vas essayer de rationaliser le truc, tu vas dire, ah, mais si elle est intéressée. Non, il faut que tu sois honnête avec toi, est-ce qu'elle est réellement intéressée? Et c'est pour ça qu'on arrive à pratiquement 9 fois sur 10, les gars, ils consacrent du temps pour des femmes qui ne sont pas intéressées. Après, tu vas aller dater, après, tu vas aller chez toi, elle va dire, ah non, je préfère juste, je ne suis pas prête, il me faut beaucoup plus de temps, j'ai un ami, etc. Elle va te faire galérer et au final, tu n'auras rien. Et puis, un jour demain, elle va plus t'écrire. Tu vas juste perdre du temps, en fait. Ça me rappelle un pote à moi, ça fait 2 ans qu'il attend sur une meuf. Il dit, frère, elle n'est pas intéressée. Je sais pas, ça rentre là, ça ressort là. Elle n'est pas intéressée. Consacre du temps, des ressources. Alors, pas tout le temps, parce que de toute façon, elle ne répond pas. Tu vois, elle répond une fois tous les 6 mois. Donc, elle n'est pas intéressée, les gars. Bon, là, je t'ai pris un extrême, tu vois. Mais si jamais tu vois que t'es, genre, la meuf, tu lui envoies un message, elle prend un jour pour répondre, mais next, les gars, tu poursuis même pas la conversation. De toute façon, les gars, J'ai tout résumé dans les secrets de nature féminine, donc tu as tout ça en description. Et pour ceux qui veulent aussi tout ce qui est relation de femme, la deuxième formation que j'ai, c'est sur Funnel Tinder, comment avoir des dates en illimité. Tout est une question de perception. Tu n'as pas besoin d'être un beau gosse, je sais que c'est une rumeur qui circule. Tu n'as pas besoin d'être un beau gosse pour réussir sur Tinder, tu as juste besoin de donner la perception. Et ça, c'est le secret. La perception que tu es un gars high value man. Bref. De toute façon, tout est en détail, étape par étape, dans Funnel Tinder. C'était les petits instants promo. D'où pourquoi qui monte à la règle, la vérité 2, je crois. Choisis des femmes, même que ce soit court terme ou long terme, qui ont un désir ardent pour toi. Parce que tu peux tomber sur des meufs qui ont presque un désir pour toi, tu vois, mais tu sens que tu es obligé de forcer un peu. Peut-être que tu vas aller jusqu'au bout avec elle, mais tu sens que tu es obligé de forcer un peu. Tu sens qu'elle le fait, mais... Oh, allez, non, tu perds ton temps. Et dernière réussite qui devrait, je pense, soulager beaucoup de frustration et qui est juste une réalité, une vérité, personne n'a 100% de réussite. Même si tu es Drake, personne n'a 100% de réussite avec les filles. Ça n'existe pas. Les femmes sont trop complexes pour ça. Okay? Il suffit qu'elles ne soient pas dans le mood. Il suffit que, genre, en ce moment... parce que souvent, les gars, ils le prennent personnellement. Non, ça veut dire que ça n'a peut-être rien à voir avec toi. Ça se trouve, en ce moment, elle pense encore à un autre gars ou elle a vu tes chaussures, elle n'a pas aimé. Parce qu'en fait, les femmes, elles ont tellement d'attention. Donc, plus tu montes haut en plus, je veux dire en gamme, plus, voilà, plus tu montes sur 7, 8, 9, 10, plus tu vas haut, bah, plus elles ont l'attention. Tu vois, c'est pour ça que tu arrives à des trucs où la meuf, elle se dit, j'avais fait une vidéo réaction par rapport à ça, où elle recale, entre guillemets, elle recale Neymar. Enfin, la recaler, oui, j'imagine qu'il a dû lui proposer un date qu'elle n'a pas voulu y aller, ok? Parce que elles ont tellement l'attention, elles ont tellement d'autres gars du même niveau que genre, pour elle, recaler un Neymar, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y en a un autre, tu vois? Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Est-ce que ça veut dire que parce que Neymar, il n'a pas assez de réussite, il n'a pas assez ceci, il n'a pas assez ça? Peut-être pas, tu vois? Ou peut-être qu'après, tu n'es pas son style, tu vois? Tu auras beau être la meilleure version de toi-même au maximum, avoir de l'argent, le statut, etc. Si elle n'aime pas, t'es pas son style, t'es pas son style aussi, tu vois. Donc, il y a plein de choses, tu vois. De toute façon, ça sert à rien de chercher à comprendre, parce que souvent aussi, les gars, cette erreur qu'ils font, c'est de vouloir comprendre, d'essayer de mettre une logique sur des choses émotionnelles. Il n'y a pas de logique, les gars. Okay? Personne n'a 100% de réussite, et si tu as 20% de réussite, tu es dans le top des tops. C'était énorme, c'est énorme, enfin, 20% de réussite. Normalement, je crois même que c'est 10%. Il me semble, si je ne me trompe pas, les pros, là, les gars qui draguent et tout, là, les gars, vraiment des pros, je crois qu'ils ont 20%, je crois. Si je ne me trompe pas. Entre 10 et 20%. Okay? Donc, ça veut dire 20%, ça veut dire que toutes les femmes avec qui tu as une interaction, donc je parle pas de récupérer le numéro, hein, je parle de numéro jusqu'à aller à l'objectif où tu voudrais aller, que ce soit relation long terme ou court terme. Il me semble que c'est 10%. 20%, ça me paraît beaucoup. Donc, voilà, les gars. Personne n'a 100% réussi. Même Drake, il se fait recaler. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis avec ton camp.
We'll be right back.